Venez chanter avec le chœur du Grand Théâtre le final des Indes Galantes, l'opéra ballet de Jean-Philippe Rameau, qui fut représenté du 13 au 22 décembre 2019 sur la scène de la Place d'Honneur. Revivez un court instant la magie de ce spectacle au décor éblouissant mis en scène par l'américaine Lydia Steyer. Toujours remarqué par la presse pour son excellence, le chœur du Grand Théâtre de Genève se compose de 42 artistes, dont 9 sopranos, 10 altos, 11 ténors et 12 basses. Si le chœur sonne si bien, c'est parce que, notamment, chaque chanteur est un excellent musicien. D'ailleurs, au fil des opéras de la saison, on les entend régulièrement chanter seuls pour interpréter un rôle. La musique de la dernière scène de l'opéra, que vous allez chanter maintenant, est nommée par son compositeur Duo des Sauvages, car en effet, les trois couplets seront chantés en duo par la soprano Christina Mkhitaryan et le baryton Renato Dolcini. Et vous chanterez, avec le chœur, le refrain. Mais avant, grâce à ce découpage vidéo, apprenons par petits bouts la mélodie principale du refrain. C'est parti! C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Bravo, vous avez maintenant la mélodie en tête. Nous sommes presque prêts. Après le deuxième couplet des solistes, vous chanterez le même refrain, cependant, avec un travail sur les nuances que voici. Il y aura une alternance avec une phrase piano et une phrase avec un crescendo. Diminue jusqu'à la fin. Cet effet est reconduit dans la deuxième partie. Pour le troisième refrain, voici les derniers changements. Il vous faudra chanter tout le refrain avec une voix très douce et frémissante. Et à la fin, il y a un très très grand ralenti sur les mots « Ce n'est pas au prix de tes faveurs ». Nous voici arrivés au terme de votre préparation. Mais avant de vous quitter, avez-vous remarqué sans doute la neige qui tombe sur les chanteurs? En effet, dans la mise en scène de Lydia Steyer, un obus a détruit le plafond de ce théâtre déjà mis à mal par la guerre. Tous chantent alors le duo des sauvages comme une dernière prière. C'est ce qui explique que cette interprétation soit lente et chargée en émotions. Musique. Forêt paisible, forêt paisible, jamais.
Thank you.